Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Sébastien Bourgault! Moi, je suis un bon gars. Tellement que quand un policier me donne une étiquette, je le type. Quand je vais au restaurant, je me commande un steak, puis elle arrive avec un poisson, je le mange pareil. Je suis allergique. Je suis un bon gars. Mais je suis tanné d'être un bon gars. Je suis écœuré. Je suis tanné que les filles veulent pas coucher avec moi parce qu'ils disent que t'es trop doux, Seb. T'es pas assez rough. Pas assez rough. Regarde, on va coucher ensemble. J'ai deux mains libres. M'attends, Christine, en face. C'est fauché. Ça, c'était depuis que j'écoute Occupation Double, je me suis rendu compte que les filles tripent ses crottés. Parce que c'est jamais les bons gars qui finissent. Parce que le bon gars, lui, il tripe sur une fille, la fille il sort du jeu, il la suit. Tandis qu'à le crotté, qu'est-ce qu'il fait? Il reste jusqu'au bout. Hein? Il niaise. Ah, je sais pas trop sûr. Comprends pas mes émotions. Non, non, non. Il est pas mêlé. Il vous a juste pas accompagné tout le cul. Non, on va se le dire, ça prend pas 15 voyages dans le sud pour savoir avec quelle fille tu veux passer ta vie. Moi, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Le plus loin qu'ils sont allés, c'était à Grimby. On se calme, les crottés. Moi, j'ai sorti avec une fille qui avait des problèmes d'odeur. Elle sentait fort. À chaque fois que je faisais l'amour, les yeux me piquaient. Elle, elle disait, « Oh, c'est donc bien cute, tu pleures, c'est romantique. » Non, 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 je cherche mon air. Écoute, j'utilisais la même technique qu'à natation. Un petit coup d'amour, respire. Un petit coup d'amour, respire. Un petit coup d'amour. Écoute, un crotté serait resté avec une semaine. Moi, j'étais un bon gars, je suis resté 6 mois. 6 mois! Elle sentait le ton! Alors, je m'excuse, mais moi, j'aimais ça, le ton. Mangeais ma petite canne de thon à l'eau gym. On mange plus de thon, check-moi la shape. À chaque fois que j'avais une relation sexuelle avec, mon chat miaulait sur le bord du lit. Elle sentait fort. Elle sentait fort. Non. 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 Je suis tanné d'être un bon gars. Au bureau, ce que je travaille, il y a un gars, il rentre tout le temps dans mon bureau. Il rentre, puis après ça, il cogne. Toc, toc, toc. T'as dérangé-tu? Je me dis tout le temps, ça sert à quoi tu me dis ça? T'es déjà en dedans. Je dis, non, il n'y a pas de man. Cogne avant d'entrer. Ben, ça, j'ai fait. Non, non, cogne avant d'entrer. Mais c'est un moron. Je suis tanné d'être un bon gars. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. Un matin, j'ai baissé mes culottes, mais j'ai commencé à me caresser. Ouais, parce que des fois, il y a des gens, ils se comprennent juste quand c'est intense. Fait qu'un matin, il arrive, il rentre, il cogne. Je fais, je te dérange-tu? Il fait, oups. Je dis, non, tu ne me déranges pas. Justement, je t'attendais. Ah, je suis tanné d'être un bon gars. Honnêtement, IGA, je comprends pas, IGA. Pour attirer les gens, ce qu'ils font, c'est à l'achat de 70 $, recevez un brocoli gratuit. Ah ouais, le sleeping bag, on couche la soirée, Ginette. Voyons donc, on s'en foutu du brocoli. Tu me mettais un pot de chez Zoé, je m'en fous. La semaine après, je retourne, fais mon épicerie. Bip, bip, 63 $. Hey, pour 7 piastres, je sais, je vais avoir un brocoli gratuit. Elle dit, non, 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 cette semaine, c'est des champignons. Premièrement, je dis, arc. Deuxièmement, vous n'êtes pas vraiment original. Vous avez volé le concept aux escortes. À l'achat de 100 $, recevez des champignons gratuits. Moi, j'ai un cellulaire, on a tous un cellulaire, ma boîte vocale. Quand j'écoute mes messages, la voix me dit, pour conserver votre message, faites le 9. Pour l'effacer, appuyez sur le 7. Cette journée-là, je ne savais pas. Enfin, j'hésite, je fais, je le garde-tu, je le garde-tu pas. Et croyez-le ou non, la voix me dit, j'attends toujours. T'attends toujours quoi? T'existes même pas! T'as même pas de vie! Moi, je suis tellement un bon gars, j'ai essayé de me dépêcher. Chris, elle va rater Virginie, vite! Je me calme, je dis, non, non, elle va attendre. Mais non, tu peux pas attendre, parce que la voix, qu'est-ce qu'elle dit si t'attends trop longtemps? Désolé que vous ayez des difficultés. Veuillez réessayer un peu plus tard. Au revoir, puis elle me raccroche au nez. J'écoute mes messages. Je me suis dit, quelle invention niaiseuse! Moi, la seule invention que je pensais qui était niaiseuse, c'était la poupée gonflable. Parce qu'on va se dire vraies affaires, c'est eux qui ont inventé ça, hein? Ils cherchaient l'attention, hein, je veux dire.
Il avait besoin d'amis. Fait que je me suis dit, tant qu'à inventer une invention niaiseuse, prends-en deux connes, mixe-les, peut-être elle va devenir hot. Hein, parce qu'imagine, tu gonfles la poupée, puis elle fait « J'attends toujours! J'attends toujours! » On s'entend-tu qu'avoir une relation sexuelle avec une poupée gonflable, pas évident? Au moment que tu serais prêt, elle ferait « Désolé que vous ayez des difficultés! Veuillez réessayer un peu plus tard, au revoir, puis elle dégonfle! » Messieurs, c'était Sébastien Beau!